sortir par où? Je ne sais pas. Where will I go from? Mais il y a une solution, c'est de faire monter un chant et de commencer à prier. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Let your request be known unto God. Est-ce que tu peux commencer à faire monter la prière vers Dieu? Je ne sais pas c'est quoi tu veux monter. Commence à prier. Si c'est remercier Dieu pour cette célébration, ça t'a touché dans ton cœur, ça atteint ton cœur. Est-ce que tu peux commencer à dire même merci à Dieu? Même ça, c'est suffisant pour le dire. Est-ce qu'on peut remercier le roi de rois, le prince de la paix, l'agneau immolé qui nous aime jusqu'à présent et il continue à nous aimer? La Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort déjà pour nous. Laisse-moi t'annoncer une chose. Quand tu étais encore pécheur, tu ne savais même pas que Christ avait déjà précédé. Est-ce qu'on peut lui dire merci? Commence à le dire. Avec ta propre bouche, commence toi-même à prononcer. Commence à le dire. A dit Seigneur, je te loue, je te louche. Est-ce que tu peux te prosterner? Commence à le dire de tout ton cœur. Qui t'y s'amène? Je te prie, commence à prier. Avele va chavele nazali ko senga. Commence à le dire. Si tu manques de quoi, même adorer Dieu. Regarde même ton voisin. Regarde comment il est. Est-ce que commence à remercier même ton voisin? Est-ce que le monde te manque? Jusqu'ici, comme Jacob l'a dit, jusqu'ici, l'Éternel est avec moi. Il m'a guéri, il m'a protégé, il m'a couvert. Jusqu'ici, Dieu est avec moi. Pourquoi pas t'adorer, Seigneur? Amen. Je ne sais pas, je vais te prier. Mais mon souci qui monte dans mon cœur, c'est que tu pries réellement de tout ton cœur. Concentre-toi, ce qui vient de ton cœur. Commence à prier, commence à prier. Commence à le dire. Jusqu'ici, l'Éternel est avec toi. Est-ce que c'est par ta force? Non. Est-ce que c'est par ton intelligence? Non. Vous savez, ceux qui sont dehors, ils pensent que c'est leur intelligence. Ceux qui sont dehors, ils pensent que c'est leur beauté. Mais nous, nous mettons la beauté à côté. Nous mettons nos moyens financiers à côté. Nous mettons notre intelligence à côté. Nous mettons ça à côté. Notre beauté, nous mettons ça à côté. Dans la présence de Dieu, je te loue, je te rends, je te célèbre. Dieu a besoin de t'entendre toi-même. Dieu a besoin d'entendre tes prières. Dieu a besoin de l'entendre. Frères et sœurs, si on élève pas nos voix, Dieu ne nous répond pas. Seigneur, merci pour ces cœurs qui sont en train d'élever la prière vers toi. Seigneur, merci notre Dieu, notre roi, Père éternel. La Bible dit c'est à la foi, Père éternel tout puissant, que nous avons trouvé refuge, à laquelle mon Seigneur pourra nous en protéger jusqu'à présent. La parole dit, Seigneur, nous étions comme des brebis muettes. Chacun suivait son propre droit. Mais les châtiments qui donnent la paix est tombé sur toi. Comment ça le dit? Des fois tu n'as même pas beaucoup de temps. Tu es occupé à ton téléphone, tu es occupé à la télévision. Mais pas maintenant que tu peux commencer à le dire. Parle, commence à parler. Commence à le dire. J'aimerais qu'on fasse tous cette prière ensemble. Vous savez, le cœur humain est mauvais. Des fois, ça monte, je ne sais pas, c'est la jalousie. Des fois, dans ton cœur, ça monte, c'est l'orgueil. Des fois, dans ton cœur, ce qui monte, hein, c'est le monde. Tu veux être à la mode, peut-être. Des fois, ce qui monte, c'est que tu veux apparaître tout le temps, mais Dieu n'est pas même pas là. La Bible dit, ce peuple m'adore de lèvres. Mais leur cœur, elle est tellement éloignée de moi. Est-ce que tu peux déposer ton cœur au devant de Dieu? Dire quelques mots au devant de Dieu.
Commence à prier. Qu'est-ce qui t'empêche à bien adorer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche réellement à s'exprimer au devant de Dieu? Commence à le dire, Seigneur, je me débarrasse de ça. J'aimerais que ça finisse maintenant même, ma vie change. Dis quelques mots et puis nous allons finir. Commence à le dire. Car il est bon, et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est doux, il est Yahweh, digne de régner, est souverain. Oui, nous élevons nos mains. Jean-Luc, on peut avoir un bon instrumental pendant que nous tous nous gardons juste calme. Alléluia. La Bible dit que Dieu entre, que tout le peuple garde silence. Est-ce qu'on peut avoir un bon instrumental là-bas? Est-ce qu'on peut juste rester calme? Fais une contemplation dans ton cœur. Est-ce qu'on peut juste rester un moment calme? Mais ne sois pas distrait. Fais juste une contemplation dans ton cœur.
Nous donnons à notre Père, Pasteur Timothée, il va clôturer ce moment de prière, recommander nos vies, nos chemins de retour, prier sur la conduite, comment Dieu va lui conduire à nous prier pour nous. Et nous allons terminer ainsi. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te bénis. Tu nous dis dans ta parole, heureux le peuple que l'Éternel agrée dans sa présence. Seigneur, je te bénis pour tes enfants que tu as agréés, que tu as accepté que nous venions, Éternel, en ta présence cette nuit, ce soir, pour te louer, t'adorer, élever ton Saint-Nom. Maintenant, Seigneur Jésus, que nous sommes venus et nous sommes à la fin de la rencontre, I pray for you to touch anyone who came in your presence. God, it's not in vain, and it's not in vain that we came to worship and to praise your name. And I pray and I declare a special blessing for each and everyone tonight. I would like you to intervene into each and everyone's life in a particular way. And in a very special manner. I bless everyone who came into your presence tonight. Receive our prayers and our receive us in your presence. Et réponds à nos prières, Seigneur. Merci pour la présence de tes enfants et de tout un chacun. Maintenant que nous sommes à la fin et que nous voulons, Seigneur, partir, nous voulons que tu bénisses notre départ afin que lorsque nous arriverons, Éternel, dans nos demeures, que tu puisses recevoir toute l'adoration et la louange. Nous voulons que notre départ soit sous la protection scellée dans le sang de Jésus et que, Seigneur, nous puissions nous retrouver encore demain pour continuer à te célébrer, à t'écouter et à t'élever. Bénis tes instruments que tu as utilisés aujourd'hui. Et la journée de demain, j'aimerais, Éternel, oh Dieu, comme c'est une journée consacrée à la jeunesse, que tu puisses les bénir. Toutes les interventions, Éternel, oh Dieu de gloire, que tu puisses les bénir au nom de Jésus. Nous voulons, Éternel, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen et nous acclamons très fort la présence de Dieu. Amen, amen. Please put your hands together again. I believe it was a blessing for everyone in this place, even the ones that are watching us online. I think we spend a great time into the presence of the Lord. Thank you again for coming. On behalf of the youth committee and the leadership of the youth, I'd like to thank you for coming this evening. And we're meeting again tomorrow. The service will continue tomorrow on our Sunday service, and the youth will take over the second service. And please come and celebrate with us in the name of the Lord. I thank you and good evening to everyone. Thank you.